Chérie. Oui, bébé. Tu sais là où on s'en va? Non. Tu te rappelles un de mes amis qui était très pauvre à l'époque, comme ça, quand il venait à la maison, il aimait tout te déranger que, pardon, ma soeur, si tu as la douleur, c'est de nous, tu chauffes, tu vas me donner des trucs comme ça là. Tu te rappelles? Ton ami Kounoua. Voilà, celui qui a la calvitie là. Oui, il aime bien foutu banane et sauf graines là. Je te jure, voilà, tu le connais bien. Sa vie a changé. Hein. Il m'a appelé, il m'a dit que non, il a construit un hôtel. Apparemment, même la route ici, que tu vois, c'est un chantier là. Apparemment, c'est la route qui mène comme ça à son hôtel. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il s'est battu, il a construit un hôtel. Hein. Yeah. Il s'est dépassé, il te jure. Et c'est lui aussi qui est en train de négocier pour ça. Oui, c'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Waouh. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Va prendre que dans la vie, faut jamais te moquer. Hein. Il te dit. Petit qui venait, il luttait à manger, c'est-à-dire qu'on laisse le reste pour les enfants, la nourriture des enfants, il lutte dessus là. Oui. C'est lui. Il a dit qu'il a construit l'hôtel. Il dit que mais tu gères l'hôtel de combien tu as construit, il m'a dit que non, il a construit. La et j'ai fait les mêmes renseignements, il m'a dit que dans la ville-ci, c'est lui qui a le plus grand hôtel de cette ville. De cette ville hein. C'est pas ça que. Attends. Ouais, il croit que ça doit être ça. Chut. Il croit que ça doit être ça, il te jure. Quand on dit, quand tu meurs pas là, faut jamais tu as peur d'espoir, c'est ça que tu parles. Hein. Yeah! Mais là, c'est un debout, bébé. Il va commencer à concurrencer à toi, hein. Non. C'est un debout. Il y a comme il y a le nombre de voitures qui a garé devant son hôtel. Seigneur. Ça doit être ça. Chérie, va pourquoi lui dire que dans la vie, avant de boire de la bière, il faut apprendre à boire de l'eau. Comme ça, le jour qu'il n'y a pas la bière, tu bois la tu bière. Bois de l'eau sans problème. Et à moi aussi. Maintenant, le jour, il n'y a pas tout ça. Tu peux boire une aussi pour mettre dessus. C'est ça qu'elle a. Bébé, allons, j'ai hâte de découvrir. Parce que tellement je suis fier de ton fils, mais je ne sais pas quoi te dire. On peut être travailleur comme ça, bébé. Il te juge, chérie. Allons-y, allons-y. Allons, mais bébé, toi aussi, tu peux pas sortir de la voiture, tu oublies de prendre ma boisson Hype Energy. Pardon. Toi, tu sais comment elle commence toujours la journée avec ça. C'est ça qui me donne l'énergie. Pardon. Allons-y, allons-y. Il faut arrêter ça pour moi. C'est joli, hein. Tu peux bien travailler. Et puis, il y a du bon vent ici. Oui. Bonjour, merci. Monsieur. Bonjour, monsieur. À la piscine d'après ici. Votre hôtel est joli. C'est pas là, là. La piscine, là. C'est joli. Et voilà qui est là, non? Bébé, ton fils l'a changé, oh. Pacho! Oh, Titi! Pacho! Titi! Allez, vas-y, Zizou. Yeah. Ouais, ça va? Bonjour, madame. Comment tu es? Ma vie, ça commence. Ouais. On dit ça. Ouais. On peut Lola, c'est le Christian Dio. Tu l'as vu dans les conneries de Coco Vicola, hein? Ouais. Et Dieu a béni. Dieu a béni. Mais l'argent nettoie. On dit quoi? Soyez les bienvenus. Donc, Dieu, voilà, ça, c'est de mon hôtel là que je te parlais, là. Hôtel à Yoka. Voilà. Mais attends, dis-moi. Piscine. T'as pas le crédit bancaire, c'est ça? Non. C'est tes économies. Oui. Non, il fallait m'en faire ça. C'est mon argent propre. Tes petits grouillements, tu faisais. Oui, c'est mon argent propre. Chérie, tu sais, non, Pancho, salue-moi encore. Tu sais, je suis vraiment fier de lui. C'est maintenant qu'il comprend sa vision. Parce que tu te rappelles, parmi tous mes enfants là, à l'époque, on allait toujours en boîte pour s'amuser et tout. Quand il disait, vous buvez quoi? Pendant que les autres choisissaient le champagne, le whisky, Pancho lui prenait tout coup, hein. Pour économiser, pour garder la monnaie. Non, c'est maintenant qu'il comprend pourquoi. Chier. Donc c'est un peu ça quoi. Mais j'espère que la route t'a pas fatigué. Hein. Non, même pas. J'ai vu santé là. C'est toi qui a lancé les démarches pour vous mettre le gouvernement. Justement, c'est pourquoi je t'ai fait appel. Tu vois, non. Il a bien emblayé. Voilà. Pancho, c'est jamais même un infiltré du gouvernement. L'ouverture de la voie, c'est l'ouverture de ce mois-là. Waouh. Je vais inviter les ministres, les gens de la région et tout, tu vois. Mais c'est pas petit hôtel, vieux. Mais fais-nous visiter quand même. Nous, on a seulement vu le jardin, la piscine. Ça, c'est pas un souci. Tu vas voir les chambres tout à l'heure. Est-ce que tu vois? Pancho! Voilà. Mais il y a quoi? Depuis tout le monde, nous sommes en train de parler. Tu regardes, c'est pas là-bas, c'est quoi? Non, attends un peu. Depuis on est en train de parler, tu ne sais pas que j'ai regardé. Si tu regardes ma femme, pourquoi? Non, boss. Non, regarde, vous les petits, il faut faire très attention. Parce qu'à un moment donné, quand vous commencez à avoir 5 francs là, ça vous monte la tête. Tu es en train de parler avec moi, tu regardes ici, pourquoi? Mais toi-même là, tu sais que moi aussi, quelqu'un qui louche. Et tu louches, ça veut dire quoi que tu louches? C'est pas elle, c'est toi qui j'écoute. Ah, bizarrement, tu as déboutonné ta chemise. Mais moi, il y a chaud depuis. Est-ce que c'est à cause de moi, il est déboutonné? Ah, tu as chaud depuis. Il y a chaud. Toi, tu es venu à ça, sur moi, tu louches. Toi, depuis, je te connais. Depuis, c'est sur moi, mais c'est. Mais là, voilà, faut demander au boss. Tu sais que. À un moment donné, quelqu'un les deux papas, le tourne donc ce que tu as tourné, ne va pas te faire croire que tu es arrivé quelque part. Oui, t'as même dit. Comment? Parce que ça, quand je parle avec toi, tu crois que tout le monde sont les camarades. Lève-toi, ils sont pas partis. Non, boss, c'est pas ça. Lève-toi, ils sont ma patrie. Non, boss, lève-toi, sors. Allons, je te présenter mes chambres. Je le savais, lui. Pardon, allons, je te présenter mes chambres. Je louche. Faut pas penser qu'il la regarde. Il la voit pas. Faut plus remettre tes lunettes, c'est mieux.
Ok. Mais il faut loucher dans tes lunettes. Mais si il louche en bas des lunettes, comment toi tu vas avoir ses yeux? Ok. Tu vois qu'il ne voit plus rien, non? Il ne voit plus rien. Je n'aime pas ça. Excuse-moi, boss. On a commencé une bonne journée. Il ne faut pas qu'on rentre dans les histoires. Arrête de montrer les champs. Madame, toi aussi, faut mettre les boutons. Moi, il y a chaud. Non, il faut éviter. Il faut éviter. Tes yeux de mettre boutons. Il faut éviter. Regarde. Elle a capoté. Donne-lui la parole à ma femme. Ok, j'ai compris. Petit, là, vous voyez, ça va son petit agent. Là, pardon, laisse, ça va. Ça va son petit agent d'hôtel, elle est devenue impolie comme ça. Avant, est-ce qu'il pouvait me parler comme ça? Avant, là, est-ce qu'il me parlait comme ça? Quand ils ont un peu d'argent, ils deviennent impolis sur les gens. Avant, là, tu as le courage de me regarder. Ouais, le boss Zizou. Voilà, voici une de mes chambres ici. Voilà. Mmh. Voilà, ici, c'est le VIP. Ça ressemble à une suite. Voilà, mais c'est ce qu'on appelle le VIP. Tu vois? Ah, ok, c'est chambre salon. Voilà. C'est la suite VIP. Ok. D'accord. Donc, sortons, allons dans une autre pièce. D'accord. Voilà. Tu as apprécié, non? Non, c'est très joli. Ah, ok, merci bien. Pour la couleur même des sofas que tu as choisi. Tout à l'heure, tu m'as énervé, mais tu as fermé ma bouche, ça. Non, merci pour le soutien. Merci. Merci pour le courage que vous m'apportez. Ah, ça, c'est une chambre. Ah, d'accord. Ici, là, c'est une simple chambre. Voilà. Ok, on voit. Tu vois comment c'est cool, non? C'est stylé, ouais. Non, là, c'est très bien, c'est très joli. Voilà. Mais qui a fait la déco? C'est madame ou bien c'est toi-même? Non, toi, tu connais, c'est madame. C'est pas, non? Ouais. Non, non. Zizou, tu vas aller là, non? Tout le haut aussi. Voilà, c'est le même design. Ah, ok, donc voilà. Tout ça, c'est le même modèle. J'ai demandé à mon architecte de faire le même design. Voilà. D'accord, donc regarde, à la gauche, c'est chambre salon. Voilà. Du côté droit, c'est les chambres. C'est comme ça. Et puis en bas, maintenant, là où on était, c'est la piscine. Voilà. D'accord, félicitations. Voilà. Et puis il y a une salle de conférence, et puis bon, c'est tranquille. Hein.